Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tuto Photoshop. Aujourd'hui, petit compositing, on va apprendre à réaliser ce genre de visuel à l'aide de différentes images que vous allez retrouver dans le dossier source. On utilisera deux brushes ainsi qu'un petit filtre qui nous permettra de créer un effet un petit peu à la Instagram. Allez, c'est parti, je vous retrouve tout de suite pour commencer le tutoriel. Allez, c'est parti, je vous propose de commencer le tutoriel sans plus attendre. Comme d'habitude, je vais vous demander de télécharger le fichier source, vous le téléchargez, vous le dézippez, et à l'intérieur, vous allez vous retrouver avec trois dossiers. Un dossier brush, un dossier image et un dossier image source. Nous, on va s'intéresser au dossier image source, hein. Vous allez retrouver à l'intérieur tout simplement toutes les images qui vont nous servir pour réaliser ce compositing, dont des images qui seront directement détourées. Puisque maintenant j'estime que vous savez détourer des images, hein, notamment avec l'outil sélection rapide. Si vous voulez vous amuser à les détourer par vous-même, vous pourrez retrouver dans le dossier image source, donc voilà les images originales. On vient ouvrir Photoshop et puis on vient créer un nouveau document en appuyant sur les touches de son clavier Command et N. Donc là, j'ai un écran un petit peu différent que d'habitude puisque j'ai fait une mise à jour de Photoshop vers sa version CC 2017. Donc sinon, hein, si vous n'avez pas fait de mise à jour, vous, comme d'habitude, vous créez un nouveau document de 1920 de large, de 1080 de haut, résolution 72 dpi en RVB et vous faites OK pour créer. Avant toute chose, on vient double-cliquer sur l'arrière-plan pour le déverrouiller et on va faire un petit coup de CTRL-T dessus pour placer nos repères. Alors si vous n'avez pas les grilles, les règles d'affichage, vous appuyez sur Command R ou CTRL R et on vient positionner nos repères et on fait entrer pour valider. On se repositionne dans notre dossier source et puis on va venir mettre notre arrière-plan directement dans Photoshop. On le fait glisser et on va venir maintenant dans notre dossier source récupérer l'image feuille-sol.jpg. Pareil, un petit coup de glisser dedans. On fait OK. Et là, on va venir dupliquer plusieurs fois nos feuilles. Donc, on appuie sur Alt et Shift pour rester droit. On vient donc du coup coller notre copie juste à côté. Un coup de CTRL-T, clic droit, symétrie horizontale. Ces deux calques, on les sélectionne. On appuie sur Shift, hein, et Alt pour les dupliquer et rester droit. Comme ça, on les duplique en gros trois fois. On vient les sélectionner, clic droit, on les fusionne. Et on va venir repositionner notre feuille sol copie à peu près ici. On vient créer un masque. On prend notre outil dégradé. On se positionne à peu près ici. On appuie sur Shift pour faire un joli petit dégradé comme ça. OK. Donc là, on est à peu près bon. Peut-être laisser un petit peu plus de feuilles. Hop, je remonte un tout petit peu. Donc on retourne dans le dossier source et là on va venir prendre le calque, enfin l'image landscape. On vient la positionner, la faire glisser donc dans Photoshop. Alt plus Shift et on vient étirer notre image pour que ça fasse un petit peu hein, pour la taille de notre document. On vient créer un masque par-dessus et puis maintenant on va venir remplir directement ce masque de noir. Donc pour ce faire, on fait bien attention de se mettre en noir ici en premier plan, de cliquer sur le masque et on appuie sur Shift et retour ou édition remplir et on vient cliquer remplir avec couleur de premier plan et on fait OK. Donc là toute la matière a disparu, c'est normal, on vient prendre notre pinceau. Donc on peut prendre un pinceau, une forme assez diffuse, une dureté à 0. On appuie sur X pour intervertir le noir ici et le blanc. Au niveau de l'opacité, on peut peut-être se mettre à 30, entre 30 et 40 et on vient donner des petits coups comme ceci. On peut même repasser un petit peu, vous voyez, sur le décor hein, de l'arrière-plan, c'est pas bien grave. Et voilà, on donne des petits coups. Comme ceci, ça m'a l'air très bien. Donc l'idée, c'est d'assombrir un petit peu plus le côté gauche de notre image, puisqu'on va faire venir une lumière de la droite.
Si vous mettez un petit peu trop de matière, vous n'oubliez pas, vous cliquez sur intervertir. Ici, vous appuyez sur X. Vous pouvez baisser aussi un petit peu l'opacité de temps en temps. Voilà, pour faire un joli petit raccord. Et en bas, s'il y a des choses qui sont de la matière qui n'est pas forcément très, très jolie, n'hésitez pas aussi à la supprimer. Pour l'instant, on reste comme ça. On va mettre une autre image, donc le ciel.jpg. On vient le glisser, hop, on fait OK. Et comme pour le landscape, on vient créer un masque qu'on vient remplir de noir. Donc là, il se passe, là, toute la matière a disparu. On appuie sur X pour intervertir et on peut redonner des petits coups, vous voyez, comme ceci. Voilà, donc on vient de créer un nouveau ciel à l'aide de deux images. Hop, on retourne donc dans notre dossier source et on va venir utiliser une autre image, donc les montagnes. On vient les glisser et là on va faire quelque chose d'assez simple en fait. Vu qu'on a créé nos deux repères, on va réduire notre image comme ceci et on va s'arrêter vraiment à la moitié de notre document. Une fois qu'on est OK, on appuie sur Entrée et comme d'hab, on vient créer un petit masque. Donc là, on peut peut-être se positionner à peu près au milieu pour y voir un peu plus clair. On prend notre outil pinceau, donc on appuie sur notre clavier, sur la touche B. Au niveau de l'opacité, là, on peut peut-être se mettre à peu près à 50. Et donc là, l'idée, ça va être de supprimer certaines parties de l'image ici. Donc comme le ciel, là, on n'en a pas besoin. Et surtout, enlever les bords de l'image pour pouvoir faire un joli fondu dans Photoshop. Donc toute cette partie ici en bas, on la supprime. Hop, sur les côtés. On peut zoomer hein, pour être un petit peu plus précis. On n'hésite pas à réduire de temps en temps la taille du pinceau. Et on repasse voilà, par-dessus. Donc là, on a un ciel qui est un peu vert, avec un petit peu de brouillard. Donc c'est pas forcément très esthétique. Donc on n'hésite pas à repasser par-dessus avec le pinceau. En bas, il y a un petit peu, il y a un petit peu de, il y a une petite forêt qu'on peut aussi masquer grâce au masque, comme ceci. Donc là, on est à peu près bien. On n'hésite pas maintenant à augmenter le diamètre de notre pinceau. Au niveau de l'opacité, on va se mettre à peu près à 15. Et on va venir, on peut peut-être même l'augmenter un peu plus. On va se mettre à 25 et on vient repasser par-dessus un tout petit peu comme ceci. Puisque je vous rappelle hein, en dessin ou même quand si vous prenez une photo hein, tous les éléments qui vont se retrouver à l'arrière-plan vont être beaucoup plus clairs que les éléments qui vont se retrouver au premier plan. Donc là on essaye de se positionner à peu près ici. On peut repositionner un repère si ça peut nous aider pour marquer la ligne d'horizon, donc à la hauteur de nos yeux. Donc la ligne d'horizon, on sait qu'elle est à peu près ici. Ce qui va nous permettre de repositionner un peu mieux les images. Voilà, donc je pense qu'on n'est pas trop mal. On peut peut-être rajouter un peu de matière en appuyant sur X à gauche et un petit peu aussi à droite. On va venir dupliquer cette image, donc on appuie sur Alt Shift pour rester droit. Et on vient la positionner à peu près ici. On peut enlever de temps en temps nos repères pour y voir plus clair. On se repositionne donc sur le masque, on appuie sur B. Et s'il y a des petits raccords qui ne sont pas jolis, ben on n'hésite pas. Hop. À supprimer tout ça. Alors là, j'ai du blanc un peu bizarre. D'accord, ok. C'est normal. Donc on va la repositionner un petit peu plus vers la gauche. On peut essayer de l'augmenter un peu plus, hein, cette montagne. Voilà.
Donc, on refait un raccord à ce niveau. Donc, n'hésite pas à jongler avec l'opacité hein, des formes. Bon, là, le raccord n'est pas très très joli ici au milieu, mais c'est pas grave puisque va y avoir la tête du bison qui va venir comment le masquer ce raccord. Donc, c'est pas bien grave. Par contre, de l'autre côté, on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus joli. Ok. J'éclaircis volontairement un petit peu plus les parties donc d'arrière-plan ici où il y a les montagnes. Donc là, je pense qu'on est bon. On vient récupérer dans notre dossier source le det, donc pour détourage-bison. Et on vient le glisser dans Photoshop. Donc on peut appuyer sur Command-H pour afficher les repères. Et on va le positionner à peu près comme ceci en bas. Donc pour que tout le monde ait à peu près le même gabarit, on va dire que, vous voyez, le sabot ici, on va dire qu'il dépasse un tout petit peu du repère du milieu. Et au niveau de donc de la gauche, on va dire que vous voyez il y a un petit creux là, un petit arc de cercle au niveau de un petit arc au niveau de sa cuisse. Bah, faudrait voir le petit caillou. Voilà le petit caillou ici. Il y en a deux ici, donc on va juste faire en sorte de voir qu'un petit caillou et que le pied dépasse un tout petit peu hein, du repère du milieu. Donc là, je pense qu'on est, à peu près bon. Et au niveau donc de la hauteur, on vous laissez un petit 1 cm ou 2, vous voyez. Un petit centimètre, on va dire, par rapport au bas de l'écran. Donc là, on est à peu près bien positionné. On retourne dans notre dossier source et on va faire un clic droit, ouvrir avec Photoshop. Donc on réouvre le bison, puisque là, on va juste venir détourer avec l'outil outil de sélection rapide, la corne. Ce qui me paraît un petit peu petit, donc on va essayer de lui donner un peu plus de volume à cette corne. Voilà, donc je pense que là on doit être bon. On appuie sur CTRL-C donc pour copier. Ou commande C, on retourne dans notre composition et on vient coller. Vous voyez, elle a déjà un petit peu plus de volume, cette corne. Et on essaye de la positionner à peu près ici. On appuie sur commande T, clic droit, et on lui applique une petite déformation. Pour essayer de faire un raccord avec la base de sa corne qui se trouve juste en dessous. Donc, si vous voulez l'augmenter un petit peu, hein, n'hésitez pas. Enfin, pas trop, sinon ça risque de pixeliser un petit peu. Vous voyez, là, le raccord, il est pas trop moche. Donc, on vient appeler sa corne 1. On se repositionne sur le dead bison. On fait un clic droit pixeliser. Puisque là, vous voyez, il y a le petit bout de corne ici qui va nous gêner. Donc, on va utiliser, par exemple, l'outil tampon. Notre outil tampon de duplication. On appuie donc sur Alt pour se récupérer de la matière. Hop, et on vient supprimer. De la matière ici. Là, ça se voit pas. Ça m'a l'air bien. On enlève les repères de temps en temps. Ok, on n'est pas trop mal. On va dupliquer cette corne. Donc, on appuie sur Alt. Donc, on se met bien sur le calque corne. On fait un clic droit. Un commande T.
ou un CTRL T, clic droit, symétrie horizontale, puisque, bah oui, on va essayer de faire apparaître sa corne gauche aussi. On fait OK et on va venir la positionner derrière le calque bison. Donc là, on essaye de se positionner à peu près comme ça. Il faut qu'il y ait un petit bout de corne hein, qui soit visible. Pour l'instant, on n'agit pas hein, sur les ombres et les lumières. On fait juste, on place juste nos éléments. Sur le calque bison, donc on vient se positionner dessus, on appuie sur Alt, on le déplace pour le dupliquer. On fait un commande T, clic droit, on fait une symétrie verticale, tout simplement pour lui créer une petite ombre. On fait OK, donc on peut faire un commande ou un contrôle clic sur ce calque-là. On se positionne en noir et on fait un édition remplir pour remplir tout ça de noir. Là, on peut dézoomer un petit peu, mettre ce calque vraiment en dessous. On va faire un petit coup de contrôle T ou de commande T. Et on va venir lui appliquer une petite, en appuyant sur commande ou contrôle, une petite perspective. À peu près comme ça. Puisque donc vu que la lumière arrive de là, on va se mettre un peu comme ceci. On fait un clic droit. On peut faire une petite déformation aussi pour repositionner nos ombres. On vient baisser un petit peu l'opacité. On va se mettre à 80 et on va lui appliquer un petit filtre flou gaussien. On peut se mettre, on va se mettre à 5. On fait OK. Et vu qu'on est sur le bison, on va faire un double clic dessus. On va lui appliquer une ombre interne. Donc moi, c'est génial, il a gardé mes paramètres de mon test. Donc au niveau de la couleur, j'ai mis une couleur jaune en incrustation. Donc si vous voulez garder la même valeur hexadécimale, vous pouvez mettre F6E46A. Au niveau de l'opacité, 26, langue 120, la distance 31, maigris 0 et taille 250. On vient également rajouter un petit satin. Donc, il a gardé également mes préférences. Donc, en produit, on se met donc en noir, opacité 50, angle 49, distance 57, taille 70. Et on fait OK. Pourquoi? Parce que tout simplement, vu qu'on va mettre une lumière qui va partir d'en haut à droite, forcément, ces zones-là vont être beaucoup plus sombres. Donc ça paraît logique. On retourne dans notre dossier source et on va venir récupérer feuille rouge. On l'insère dans notre composition et cette première feuille rouge, on va venir l'augmenter un tout petit peu. On fait OK, on va cliquer sur filtre, flou, on va lui mettre un petit flou gaussien. On se met à peu près à 12. Et on va venir se mettre à peu près ici, on peut la retourner un tout petit peu. Il était peut-être un peu violent, le flou. Donc on peut faire un clic droit, pixeliser le calque, filtre, flou, flou le gaussien. Et on se met plutôt à peu près à 10. Voilà, on se positionne à peu près ici. Voilà, on baisse un petit peu l'opacité. On se met à 80 à peu près en opacité.
On retourne dans le dossier source, on peut reprendre la même, clic droit, on la pixelise. Un coup de contrôle T, on vient la retourner un peu plus, donc un peu comme ceci. On peut l'augmenter un tout petit peu. Et là, on va essayer de lui mettre un petit filtre flou directionnel, pour lui donner un peu de mouvement. Voilà, pas trop, hein. Et puis un petit filtre flou gaussien pour atténuer un peu plus. Ok. Voilà, donc on peut reprendre notre feuille, encore une, clic droit, pixeliser. On se positionne un peu par ici, on va la réduire, on va la retourner comme ça, puisque la lumière vient d'ici, donc là c'est parfait. Là on a une zone de lumière en haut ici, enfin à droite. On la rétrécit un petit peu plus. Un coup de commande F, donc là on voit que c'est peut-être un peu trop flou, donc filtre flou. Flou gaussien. On va se mettre à peu près en 2. Est-ce qu'on peut remettre un coup de flou directionnel? On va voir ce que ça donne. Un petit peu. Et au niveau de l'opacité, hein, on se met en 80. Là aussi, on aurait pu se mettre en 80. Oh, peut-être pas. Peut-être 90 plutôt. Voilà, et pourquoi pas redupliquer cette feuille, la réduire. Voilà, et la faire voler à peu près comme ceci. On prend notre feuille marron, clic droit, on la pixelise, on va venir la réduire un petit peu. Un petit coup de commande F, on vient baisser l'opacité. Voilà. On refait la même chose. Donc après, hein, l'idée c'est d'en mettre plusieurs. On vient réduire un petit peu. Le flou, quoi qu'on peut peut-être plutôt se mettre juste en flou direction, flou gaussien ici. Ok, on pixelise, on se positionne à peu près ici. Et puis on va rajouter une dernière, après bon. Pour en rajouter un peu plus si ça vous amuse. Hop, une petite symétrie. On pixelise, commande F. Donc, on pixelise, commande F. On réduit un petit peu plus. On se positionne à peu près par là. Et on baisse un peu l'opacité. Là, on aurait pu baisser aussi l'opacité, on a oublié. Pas trop. Ok. On regarde ce que ça donne. Voilà, donc on a quand même un peu plus de mouvement à l'aide de ces petites feuilles. On retourne dans les sources et on vient récupérer le dette fillette qu'on vient insérer donc dans Photoshop. On fait donc une symétrie horizontale. Donc désolé, j'ai pas trouvé mieux hein, pour l'enfant. Là l'idée ça va être de venir détourer, enfin de masquer sa jambe gauche pour avoir l'impression donc qu'elle passe de l'autre côté. Un petit coup de commande H pour
réafficher les repères et là on va essayer de se positionner tous à peu près pareil. Donc on va se donner un repère. Donc il faudrait que le pied, donc on peut peut-être augmenter un petit peu plus, que le pied de, peut-être non, on va réduire un peu plus. Donc ce pied, il faudrait qu'il dépasse, vous voyez, d'un petit centimètre en dessous du repère du milieu du document. Et au niveau de la hauteur, voilà, on laisse on va laisser un centimètre à peu près. Un centimètre ou deux. On positionne à peu près ici. Donc pour que tout le monde soit et à peu près la même chose, vous voyez, donc là il y a une courbe au niveau du dos du bison. Il faudrait que cette courbe arrive, vous voyez, à peu près ici au niveau du tupperware. Là vous laissez à peu près un centimètre, 1,5 cm au niveau de son pied. Normalement, tout le monde devrait être à peu près pareil là. On va venir maintenant créer un masque. On prend notre outil pinceau, raccourci B, on réduit un peu notre forme, on se met une dureté à 100%, opacité 100%, et on va venir voilà, supprimer sa jambe. Donc on réduit pour être un peu plus précis et on vient supprimer tout ça. Donc vous rappelez du raccourci pour styliser. Donc on clique, on appuie sur Shift et on maintient Shift enfoncé et on clique. On fait que cliquer en appuyant sur Shift. Hop. Voilà. Donc là on aurait pu rajouter juste un peu de matière ici, parce que j'ai enlevé son autre jambe hein, qui apparaît normalement derrière le bison. Et voilà. Tiens, tant que j'y suis, on pourrait peut-être augmenter un petit peu la taille de la corne. Corne 1. Histoire de la faire dépasser un petit peu du bison. Petite déformation. Ok. On pourrait peut-être baisser, enfin diminuer un petit peu la taille de la fillette. Je trouve un petit peu trop grosse. Voilà, comme ça. Qu'on essaye de se replacer correctement. Ok, là on est mieux. On va venir récupérer le chapeau dans le dossier source. Donc, det chapeau, on vient le glisser comme ceci. On le réduit. Donc là, on va le faire. On va peut-être augmenter légèrement, vous voyez, sa taille en hauteur. On essaye de l'incliner un petit peu. On fait une rotation pour qu'il suive, vous voyez, la direction des yeux. Essayer de le mettre à peu près comme ça. On peut faire un petit clic droit déformation, histoire de ramener un peu de matière ici. Voilà, donc on vient pixeliser le calque, on vient créer un petit masque par-dessus. Donc hein, si vous voulez être un peu plus précis que moi hein, dans comment le détourage du
du chapeau, hein, libre à vous de reprendre l'image d'origine. Hop, donc là on a à peu près bon comme ça, on rajoute de la matière et on en enlève un petit peu. Bon, après on viendra rajouter les ombres et la lumière. Voilà, et de l'autre côté, donc là on va venir enlever de la matière, on appuie sur X, on reprend notre pinceau et on vient en rajouter. Voilà. Du coup, on va venir enlever un petit peu de cheveux qui dépassent ici. Juste, je peux pas enlever un peu de matière là, non, après c'est le jour, ok. Donc du coup, au niveau de la fillette, on vient enlever en bas, il y a un petit peu de cheveux. Faites attention hein, de ne pas détourer du coup, enfin d'enlever de la matière sur les habits. Ici on peut en enlever aussi. Voilà. Puis on viendra assombrir un petit peu plus les zones tout à l'heure, hein, au niveau des commandes du chapeau. Après on aurait peut-être pu l'écraser un petit peu plus en fait, comme ceci. Hop. Ok. Et de l'autre côté, on va rajouter un petit peu. Tiens, là, au niveau du chapeau, j'ai vu que j'avais enlevé de la matière, qu'on peut peut-être en remettre, hein. Hop, ici aussi. Voilà. Donc maintenant on va venir récupérer dans le dossier source nos verres. Donc on va prendre le verre 1 qu'on va faire glisser, qu'on va réduire un petit peu. On le pivote. Donc là l'idée c'est de le mettre à l'intérieur du tupperware. Donc on peut le mettre déjà par-dessus le calque de la fille. On le positionnait à peu près comme ça. Donc là, des fois, j'ai pas très bien détouré. Donc à la limite, on le pixelise, on crée un masque. Vous voyez, il y a un petit liseré blanc. Enfin, il se voit pas trop, mais assez pour que ça fasse des petites choses pas forcément très esthétiques qu'on va venir comment mettre des ombres et des lumières. N'hésitez pas à repasser par-dessus comme ceci, quitte à mordre un petit peu hein, dans la texture. Voilà, et puis donc là le reste on vient de supprimer. Ok. Donc là, ce que je vous propose, c'est de faire un petit accéléré. Donc à la limite, vous, ce que vous allez faire, c'est dupliquer. Hein. Je vous montre sur un ou deux. On vous appuie sur Alt. Vous le mettez en arrière-plan. Voilà, on le duplique. On le met à côté. On reduplique. On le met à côté. Et on peut, même si on veut, vous voyez, faire une petite rotation comme ceci. Et ainsi de suite. Et vous avez un deuxième verre, aussi verre 2, si vous voulez vous amuser. Donc voilà, je coupe, je suis en accéléré, je vous reprends après.
Donc une fois que vous avez insérez pas mal de verres, vous les sélectionnez, vous cliquez sur le petit dossier pour les grouper. Et là, on va venir créer un masque pour dessus indirectement pour supprimer de la matière qui nous gêne. Par exemple, vous voyez, elle pousse, j'aimerais bien le récupérer, le pouce de l'enfant. À peu près. Et maintenant, on va venir créer une ombre. Donc on va se mettre juste en dessous du calque de la fillette. On va créer un nouveau calque. Ombre fille. Outil pinceau. On prend une forme assez diffuse. Hein. Donc dureté 0. Opacité, on va se mettre à peu près à 20. Et là on donne des petits coups comme ça. En diagonale. En essayant de cliquer un peu plus hein, au niveau de son assise. En dessous du tupperware aussi. Donc tout ça, ça va être dans l'ombre. Et on va baisser un peu l'opacité, on va se mettre à 90. On peut créer un masque aussi par-dessus. Je te vois. Hein. C'est Kevin, là, il me fait des petites grimaces. Tu dis bonjour Kevin. Ah bonjour. Voilà. Essaye de me déconcentrer tout le temps. Et du coup, tant qu'on est dans les ombres, hein, on va créer une autre ombre au-dessus de la fillette qu'on va appeler ombre vert. Donc le tupperware, hein, hop, on le remplit d'ombre également, à l'intérieur aussi. Voilà, pour l'instant, là, on n'en fait pas plus. Ce qu'on viendra tout à l'heure rajouter comment des petits effets pour tout simplement densifier un petit peu plus les ombres et puis les lumières. On peut peut-être en rajouter un petit peu par là. Et du coup, on rebaisse tout ça à 90. On rajoute un petit masque. Le chapeau, il était dans notre groupe ici, donc on va le mettre plutôt par-dessus. Ça, on peut renommer le groupe en vert. Et au niveau du chapeau, donc on va rajouter de l'ombre. On va utiliser un outil. Donc, on va prendre l'outil. Densité, pardon, moins. Et sur les tons clairs, pardon, densité plus. Et sur les tons clairs, on va venir, vous voyez, rajouter un peu plus d'ombre, comme ceci. Donc faites attention de ne pas vous mettre au niveau d'exposition, de ne pas mettre un chiffre trop élevé, sinon ça risque de faire un peu bizarre. Sur les tons moyens également. Et du coup, sur les tons foncés. Voilà. Ok. On va venir rajouter une ombre aussi. Donc, à peu près ici, au-dessus du chapeau, on va l'appeler ombre chapeau.
on prend notre outil pinceau. On va la mettre en dessous même. Et là, l'idée, c'est de repasser, vous voyez, par-dessus, en fait. Afin d'assombrir un petit peu le visage de la petite fille. Et qu'on ait vraiment l'impression que le chapeau soit enfoncé sur sa tête. Donc, au niveau de l'opacité, on peut baisser un petit peu, peut-être se mettre à 80. Baisser peut-être à 60. On va recréer un masque. Il y a des zones du coup qu'on peut peut-être supprimer comme ici. Là aussi, un petit peu. Donc on peut allumer, éteindre vite fait pour voir. Ok. Dans à l'intérieur de notre chapeau, on pourrait peut-être aussi rajouter un peu plus d'ombre. Donc on peut peut-être se mettre en 5, entre 5 et 10 au niveau de l'opacité. On va donner des petits coups comme ceci pour donner un effet de profondeur. Donc là, je repeins carrément sur le calque. Ok. Et puis ici, peut-être en bas, là, c'était pas terrible. Il y a peut-être un peu trop de lumière. Là. Là, je vais utiliser la gomme. Pour enlever un petit peu d'ombre qui dépassait. Ok, on peut faire la même chose au niveau des verts, c'est-à-dire jouer un petit peu avec les zones claires et les zones sombres. Dans le dossier vert, à l'intérieur, on va créer un nouveau calque. On va prendre notre pinceau et on va venir foncer un petit peu le tout comme ceci par endroit. Voilà, surtout aux pointes. Au niveau du masque ici, on se repositionne dessus. Enfin, en tout cas moi, parce que là j'ai vu que je pouvais rajouter un peu plus de matière. Donc j'en avais enlevé. Voilà. Des fois c'est pas évident de se repérer. Ok, donc du coup on va faire un Command J pour dupliquer. Donc carrément le dossier, hein. Command J. On masque celui d'en dessous. Là on va créer un nouveau calque et on vient fusionner en fait le dossier qu'on vient de dupliquer et le nouveau calque. Et à l'intérieur maintenant on va venir jouer. Donc, si on reprend notre outil de tout à l'heure, pour jouer avec les tons, par exemple, moyens. Donc, attention de ne pas de mettre une valeur trop importante. Là, déjà, je vais venir repasser sur les petites pointes blanches qu'il y a là, tout au bout là, des tentacules. Donc, je viens assombrir, en fait, toute la moitié, on va dire, de toutes les tentacules. Donc on part de la moitié, on descend vers le bas. Donc là, je suis sur les tons moyens et sur les tons foncés, je peux aussi jouer un petit peu.
pour créer du volume. Donc ça crée du volume et ça crée aussi un peu de matière du coup, qu'on n'avait pas forcément. Tous les tons clairs aussi, hein, je viens repasser par-dessus au niveau des pointes ici pour assombrir tout ça. Et si je prends mon outil maintenant densité plus sur mes tons clairs, et je peux apporter aussi un petit peu de lumière par endroit. Voilà. Donc là, je pense qu'on est à peu près bon. On avait un calque ombre. Ombre vert ici. On peut peut-être se repositionner donc dessus avec le pinceau. Donc là, je suis en opacité à 100. Je vais peut-être baisser un peu plus, mettre à 50. Donner des petits coups par endroit. Voilà. Donc on peut renommer peut-être ça en vert. On va se repositionner sur la fillette. Et on va faire la même chose. Donc au niveau des tons, donc là on va pixeliser le calque du coup. Oui, au niveau des tons clairs, on peut redonner un petit coup, mais vraiment sur l'extrémité là. Histoire d'apporter un petit peu de lumière. Vous voyez ce que ça donne. Hop. Donc là, le chapeau, on s'en fiche. Un petit peu aussi sur la main. Peut-être plutôt au niveau des tons moyens. Donc sur la jambe aussi. Donc on jonglait entre les tons moyens et les tons clairs. Et du coup au niveau des tons plus foncés, on peut peut-être déjà marquer un petit peu plus donc sur les tons foncés, les ombres. Moyen. Voilà, il y a aussi un outil qu'on n'a pas vu, c'est l'outil doigt. Oui, ce qui nous permet de glisser tout simplement de la peau. Mais là, on va peut-être baisser un peu l'intensité.
quelque chose qui marche bien aussi, cet outil, sur les poils. Par exemple, si je vous montrais avec le bison, si vous voulez rajouter des petits poils, donc là, vous pouvez augmenter un peu l'intensité, prendre plutôt là une forme avec une dureté à 100. Là, ça se voit peut-être pas forcément, mais sur du poil noir, vous voyez, vous pouvez redonner du dynamisme au poil aussi. Voilà, donc c'est quelque chose qui marche très bien, ou sur des cheveux. Si là, vous voyez, des fois, c'est pas forcément très très bien détouré, donc vous n'hésitez pas à vous repasser par-dessus plusieurs fois. Voilà. Donc, on était plutôt à notre petite fille, là. Hop, au niveau donc de sa cuisse, au niveau donc des tons clairs, on peut peut-être, voilà, assombrir tout ça un petit peu plus . Ok, donc bah maintenant on va pouvoir mettre un peu de brouillard un petit peu partout. Donc vous vous rappelez, dans le dossier source, je vous avais mis deux broches. Donc une brush smoke et une brush pour les rayons de soleil. On vient charger dans donc notre dossier brush la brush smoke et la brush soleil. On clique sur ouvrir, je le fais pas puisque moi elles sont déjà installées. Donc on vient récupérer n'importe quel smoke. On vient donc créer un nouveau calque. On va se mettre devant la corne 1. Voilà, on donne des petits coups. Donc là, moi, j'ai mis du marron. J'ai laissé le marron au premier plan. Je peux essayer de changer de forme, augmenter peut-être un peu l'opacité. Voilà. Du coup, me mettre en blanc. En premier plan, changer ma forme. Me mettre en noir aussi. On peut baisser aussi la forme. En noir, changer de forme. Ok, on peut peut-être se remettre en marron aussi. L'idée, c'est de mettre une petite brume au premier plan. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas à tout tester. Donc, elle a l'air bien sombre. Ok, donc là je pense qu'on est qu'on en a assez à ajouter. Donc on n'hésite pas à appeler ça par exemple brume, comme vous le souhaitez. Et on va venir créer un masque par-dessus. On va baisser un petit peu l'opacité de ce calque. On va se mettre à 90 ou 95. Voilà, 95 c'est pas mal. On peut reprendre une smoke, hein, si on veut, au niveau de la forme. On se met sur le masque.
et on donne des petits coups. Si vous trouvez qu'il y a des endroits, il y a trop de brume. Si vous voulez vraiment contrôler par vous-même, vous prenez une forme normale. Et vous enlevez. Hop. De la brume. On va venir rajouter un petit peu plus d'ombre. Donc au niveau des pieds du bison. On va appeler ça ombre. Bison. On se met en noir. Donc là je suis à 23% au niveau du pinceau, de l'opacité, c'est pas mal. Hop, si je me mets à 100%. Donc là à cause de la brume qu'on vient de rajouter, ça se voit pas trop. Hein. Mais c'est pas plus mal. Et du coup, on va se mettre à 70 au niveau des cornes ici. On va pouvoir aussi cliquer dessus. Là, on peut double-cliquer carrément. Créer une petite ombre interne. On va se mettre en noir. On va se mettre en normal. On essaye de foncer un petit peu plus tout ça. On fait OK. On va reprendre notre petit outil au niveau des tons foncés et des tons clairs même. On va venir repasser par-dessus, voilà. Au niveau des tons moyens également. Et du coup, ton foncé maintenant. Et ton foncé. Ok. On peut faire la même chose aussi au niveau du bison là. Sur les tons foncés et les tons moyens. Ça, ça ressort au niveau de la corne de ici, donc on va faire la même chose, on double clic, on rajoute une petite ombre interne, à peu près comme ça, et avec notre pinceau, non pas notre pinceau pardon, notre outil densité, on vient rajouter ici un petit peu plus de d'ombre du coup. Et là aussi, on peut créer un masque. Je viens de voir que c'était la corne n'était pas terrible. Dans le bout, on va essayer de la styliser un petit peu plus. Hop. Voilà. Et au niveau des tons clairs, on va rajouter un petit peu plus de lumière sur l'autre corne aussi.
Ok. Tant qu'on est sur le bison. Au niveau des tons foncés. Et des tons moyens. On peut venir rajouter un petit peu plus hein, d'ombre. Ok, au niveau du chapeau, on pourrait peut-être aussi... accentuer tout ça. De la fillette aussi. Bon bah après hein, vous pouvez peaufiner tout ça. Moi je vais m'arrêter là au niveau donc de l'ajout de comment d'ombre et de lumière sur les calques. Après, on pourra repeaufiner en fusionnant l'ensemble de nos calques. Donc maintenant, on va venir créer un calque de réglage en cliquant ici et on clique sur teinte, saturation. Donc là, on va baisser un petit peu plus la saturation. Après, vous pouvez jouer, vous voyez, sur les teintes. Donc, soit vous faites un truc hyper space, ou soit là, vous jouez plutôt sur les tons un peu plus chauds. Au niveau de la luminosité, on peut peut-être baisser ça un petit peu plus. Et on va recréer maintenant un nouveau calque de réglage courbe. Juste sortir ça, voilà, pour que tout le monde voit un petit peu plus clair. Donc là, on peut venir au niveau des blancs, on peut venir les baisser un petit peu plus. Les noirs aussi. Voilà, faire quelque chose à peu près comme ceci. Donc, en gros, on pallie un peu l'image. Hop, on va venir rajouter également, en créant un nouveau calque, des petits rayons de soleil. Donc, je vous ai fait installer tout à l'heure des brushes pour créer facilement des rayons de soleil. Donc là, vous pouvez voir qu'il y en a... Enfin, vous avez une sacrée panoplie hein, de brushes. Donc, vous pouvez vous amuser avec deux ou trois, là. Hop, lui il me plaît bien, mais pas tout parce que là vous voyez c'est un petit peu trop violent, mais pour la partie haute c'est assez sympa. Donc je vais prendre mon outil, un autre outil pinceau. Maintenant je vais recréer un masque par-dessus. Hop, je vais supprimer voilà, ça. Et on pourrait créer un nouveau calque. Et du coup, rajouter un autre petit rayon. Donc on va prendre par exemple lui. Baisser son opacité. Peut-être un peu violent, lui. Tiens, il a l'air très bien. Clic droit, symétrie. Et
on vient baisser un petit peu l'opacité du calque. On va venir se positionner sur vert. On crée un masque. Et là, on va venir... supprimer donc les petits bouts qui dépassent ici. On peut reprendre une forme diffuse, hein, baisser un peu l'opacité là, histoire de faire fondre tout ça. Voilà. Donc maintenant on peut se positionner tout en haut. On va faire un petit coup de commande Alt Shift E ou Ctrl A Shift E pour tout fusionner. Filtre, correction de l'objectif. Personnaliser, donc on ajoute un petit peu de vignettage à l'image. On fait OK. Mais moi, j'ai pas forcément envie d'en ajouter, vous voyez, ici à droite. Donc, je crée un masque. Je reprends mon pinceau. Hop, et là, je viens de supprimer le vignettage d'ici. Je refais un coup de commande Alt Shift T E. Et là, on va faire un... On va ajouter un petit filtre que je vous ai installé, donc un petit filtre Instagram que je vous ai fourni dans les dossiers sources. On va appuyer sur les touches commande et M. Et au niveau de l'écrou, ici, on va venir charger un paramètre prédéfini qui se trouve donc dans le dossier source, donc qui s'appelle Nashville. On fait OK et on valide. Au niveau de l'opacité, on va se mettre à peu près à 30, hein, parce que sinon c'est un peu trop violent à mon goût. Peut-être à 50 si vous le souhaitez. Et vous pouvez maintenant jouer aussi avec le filtre caméra RAW. Donc à la limite, on va faire un commande Alt Shift E encore une fois. Et là, on va rejouer avec donc caméra RAW. On augmente un petit peu l'exposition, un petit peu le contraste, mais surtout, oui, c'est la clarté. Histoire de nous donner un petit peu plus de détails. Et aussi au niveau des tons foncés, des tons noirs, on peut les descendre un petit peu plus. Et si vous trouvez que c'est un peu trop clair, eh bien vous baissez un peu l'opacité du calque, vous voyez, à 50. Et pour finir, on peut redonner un petit coup de commande Alt Shift E, venir prendre donc notre outil de densité plus, donc 5% toujours, hein, et donner au niveau des tons moyens, vous voyez, des petits coups comme ça sur le sol pour assombrir un petit peu plus au niveau des pattes du bison. Voilà, si vous voulez vous amuser hein, par endroit, genre au niveau des feuilles, au niveau du bison, accentuer certaines zones ou encore une fois de la petite fille. Ainsi qu'au niveau des ombres, ici, il y a des petits verts. Et voilà. Donc bah voilà, le tuto se termine. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à me les poser, hein, soit dans les commentaires, soit vous m'envoyez un petit mail à damien@teammate.fr. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Je vous retrouve très très vite dans un prochain tuto. À bientôt.